Alors maintenant, on va parler de rodéo professionnel, mais juste avant, j'ai à côté de moi Patrick Murray. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, salut. On y a parlé un petit peu tantôt, mais là, il va nous parler de l'école, parce que c'est bien beau faire des rodéos, mais il faut apprendre ça, il faut apprendre cette technique-là, et c'est très important. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de façons de faire. Explique-nous comment on peut faire une école, puis on monte ça. Grosse question. Oui, grosse question. C'est... c'est le fun parce qu'aujourd'hui, c'est le country, le western, les chevaux, c'est rendu bien populaire. Hein, ça joue à radio. Il y a beaucoup plus de monde qui vient de voir aussi les spectacles. Le monde s'identifie beaucoup à ça. Fait que c'est le fun d'avoir de la relève. Puis de là, j'ai eu l'idée de... J'ai un poste aussi aujourd'hui qui s'appelle visibilité, puis visibilité du sport, dans le fond. C'est le fun d'avoir le monde qui vienne, qui s'identifie un peu à ça. Puis, nous autres, c'est, dans le fond, c'est pas vraiment leur montrer c'est quoi le rodéo, ou bien leur dire faut vous en faire, puis montrer comment ça se fait. Ça commence surtout par venez voir qu'est-ce qu'on fait. Puis le club des Cavaliers Sainte-Catherine, c'est le fun pour ça parce qu'ils organisent plein d'activités dans l'année. Puis dans certaines activités qu'ils organisent, ils nous invitent à aller montrer notre sport, à aller montrer à attraper des veaux au lasso, aller montrer sur des domaines spécifiques là, qui font semblant que c'est des taureaux ou bien des chevaux sauvages. T'sais. Fait que les jeunes, ils viennent puis ils s'amusent avec le club. Puis tu sais, c'est pas nécessairement aussi du monde qui ont des chevaux. Ça peut être des résidents de Sainte-Catherine, un peu des enfants, un peu n'importe quoi. Fait que ça donne le goût aux enfants de connaître le sport. Puis il y en a là-dedans que, là, ça leur tente d'en faire. T'sais. Puis de là, c'est le fun parce qu'ici, on a les infrastructures pour... un peu pour montrer le sport, t'sais. Fait que c'est le fun, ça amène de la relève, ça amène du nouveau monde. Puis c'est le fun parce qu'il y a un gros chapeau au club d'organiser ces activités-là, justement, ouais, pour... Ça vous donne une chance de recruter. Oui, puis montrer cette belle visibilité-là, t'sais. C'était le fun de voir aussi au dernier rodéo qu'il y avait un rodéo pour les jeunes aussi. Hein. On voit la relève commence à monter aussi. Oui, ouais, c'est rendu... C'est rendu beaucoup populaire, là, puis c'est le fun, les gens s'identifient à ça, puis nous autres, ça nous fait chaud au cœur de montrer qu'est-ce qu'on fait, puis de montrer nos passions. Là. Avant de passer aux autres, tu as parlé d'un domi, c'est ça qu'on voit en avant, là? Comment ça fonctionne? Oui, bien ça, c'en est un, justement, c'est un petit taureau, on peut enlever les cornes, on peut les laisser, puis on l'attrape au lasso, là. Okay. C'est vraiment fait pour pratiquer au sol, debout, puis l'attraper avec un lasso. Puis on a plusieurs choses comme ça. Fait que quand ils organisent des activités, on amène toutes sortes d'affaires dans même, puis le monde s'amuse. On me racontait tantôt aussi qu'on peut l'attacher en arrière d'un 4 roues. Je ne sais pas trop comment on fait ça pour justement pratiquer le terrassement du bouvillon, c'est ça? Ouais, c'est le fun parce que c'est pas vraiment dans ce style-là, mais on a qui ont des roues en dessous. Okay. Fait que on met un. C'est comme un cheval en fer en arrière d'un 4 roues qui nous permet de simuler la même chose que si on serait à cheval. Okay. Les gens aussi ils pratiquent là-dessus. Fait que c'est bien le fun. Ouais, c'est ça. Fait que de plus en plus, vous avez des outils justement pour permettre de faire l'apprentissage de ces métiers-là qui sont pas faciles. Non, c'est sûr, mais. L'idée primordiale, c'est de faire quand même dans le sport, puis d'amener les jeunes. Hein, d'amener les jeunes avec nous autres à aimer ça. Puis les clubs, ils font leur effort aussi là-dedans. Fait que c'est le fun. Un gros merci, Patrick. On va aller voir M. Murray. Lui, il a un rôle bien spécial au rodéo, dans les rodéos professionnels. Puis vous faites ça partout, durant tout l'été au Québec. Oui, chez Pickupman, c'est Cavalier Secours. Je fais environ... moi, je travaille pour l'équipe de rodéo du Québec. Fait que je fais environ 17-18 rodéos dans l'année, environ 40 performances. Fait qu'on se promène à grandeur de la province. Mon rôle sert, dans le fond, à sécuriser les animaux puis sécuriser les cowboys. Dans le fond... le raideur suit les chevaux sauvages avec essentiel, il faut qu'il fasse 8 secondes.
Puis qu'au bout de 8 secondes, il y a toujours deux cavaliers dans le ring, s'il arrive quelque chose. Mais au bout de 8 secondes, on va chercher le cavalier. Parce que lui, son pointage est accumulé pendant 8 secondes. Fait que s'il fait son 8 secondes, il a son pointage, mais là, il faut qu'il débarque. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de débarquer Saint-Bronc. Ça fait que nous autres, on est là pour, là, pour ça. Puis en même temps, pour sécuriser les chevaux, avec l'expérience, ça fait 20 ans que je travaille avec le même personne qui est François Lafleur. On surveille toujours les animaux. Quand ils viennent près des clôtures, on essaie de les faire dévier justement pour qu'ils, parce que c'est des athlètes. Puis eux autres aussi ont une adrénaline. Fait que des fois, dans l'adrénaline, ils regardent pas trop où ils vont. Fait que c'est ça. Notre rôle, c'est sécuriser les cowboys, les montures. Ça doit être un petit peu dangereux. Alors, il y a toujours un pourcentage de risque, mais les risques sont pas mal calculés. On est protégé, on a des bons chevaux. Puis quand on travaille toujours avec les mêmes personnes, je pense que les risques sont calculés. On me disait aussi tantôt que vous êtes dans le monde des chevaux à l'année. Vous avez un autre métier la semaine aussi. Oui, moi je suis maréchal ferrant. C'est qui est surprenant ici à Sainte-Catherine, il y a trois maréchal ferrants. Ben oui, anciennement, on disait il y a un maréchal ferrant par village. Mais ici à Sainte-Catherine, on a trois maréchal ferrants. Anciennement, les maréchal ferrants, les chevaux venaient à la forge. Ça, c'est toutes des unités mobiles qu'on se déplace. Puis, oui. J'ai vu ça, vous avez un espèce de camion, là, puis vous partez avec ça, puis vous allez intervenir. Dans le fond, j'ai des chevaux, j'en ai partout sauf là, mon assiette, je pense. je suis toujours avec des chevaux, c'est mon sport, c'est mon travail. J'ai toujours été des chevaux. Monsieur Laperrière, vous avez déjà fait du rodéo dans quelle catégorie? Moi, je suis un ancien champion du terrassement du Bouvillon, ça fait longtemps, là, c'est en 90. Puis ce qui est le fun, là, ce que Patrick disait tantôt, là, les organisations, puis aussi le club. Là. J'ai, exemple, en 90, me pogné une bulle d'apprendre ça. Puis il a fallu que je monte à Montréal, que je suive une clinique. Puis il n'y avait même pas de demi dans ce temps-là. Fait que celui qui est dans la clinique est obligé d'avoir des steers comme au rodéo, d'avoir des vrais chevaux, quoique Pat a tout ça aussi. Mais tu ne fais pas prendre plus que deux ou trois gars par clinique. À cette heure, la façon que Patrick et son équipe fonctionnent, et vous êtes quand même une quinzaine facile. Hein? Ils marchent avec un système de demi, puis c'est pas dur pour les chevaux, c'est pas dur pour les steers. Puis, non, je ne sais pas, Pat, regarde, j'ai un de mes gars qui a commencé, deux de mes gars qui ont suivi des cliniques à Pat, puis j'en ai un qui est allé, les deux sont allés au rodeo cet été. Ouais, pour le fun de même. Là. Okay. Fait que ouais, puis ils ont bien été. Oui. Ouais. Les pommes tombent pas, j'ai pas mis. Mais terrassement du Bouvillon, moi, en tout cas, c'est celle que je trouve la plus tough parce que faut arriver vite, faut tourner ça rapidement. En tout cas, moi, je trouve que c'est techniquement, il faut aller rapidement. Il y en a qui le font en 4 secondes. Là, fait que c'est vraiment impressionnant. Ouais, mais c'est comme le reste. Là, quand ça va bien, c'est facile. Là. C'est un peu comme une prise de judo, si tu veux. Ouais, okay. Ouais, ouais, tout se fait, c'est vrai. C'est pas. Quand c'est bien appris et que tout va bien, ça va bien. Il faut être dans le bon timing aussi, vous voulez. C'est ça, ça fait partie de. Okay. Je poursuis. Bonjour. Est-ce que j'ai oublié les noms depuis le temps? Pas de problème. Janie Blanchet. Bonjour, Janie. Là, toi, tu fais? Moi, je fais de la course de baril. Dans le fond, la course de baril femme. C'est un parcours en forme de trèfle autour de trois barils. Il y en a comme Lana qui en font dans les Gymkhana, dans le fond, dans des petites associations. Mais moi, c'est vraiment juste dans les rodéos. Fait que je fais des rodéos à longueur d'année. Je suis Régia Murray et Pat, dans le fond. On se suit pas mal. On se côtoie à longueur d'année, dans le fond. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, dans le fond, ça doit faire 15 ans. Fait que, ouais. Okay. Ouais. Donc, tu dois être dans les bonnes au Québec ou... Oui, on a déjà eu des très bonnes années, mais comme n'importe quoi, quand t'as un bon cheval, ça va bien. Ouais. Quand t'as ton cheval, ça va moins bien, ben ça va moins bien. Là. Mais oui, quand même, ça va quand même bien dans ma carrière. Là. On a performé en masse. Ça, c'est vraiment des preuves de rapidité pure. On peut pas aller plus vite que ça, à part peut-être ce qu'on appelle le transfert des cavaliers là, qui va très vite aussi, mais ça va très vite. Là. Oui, c'est ça. La course de barils, dans le fond, c'est vraiment autour de trois barils, puis c'est chronométré. Fait que nous... On utilise les juges pareil, mais c'est vraiment un chronomètre. Là. Moi, je me pose la question quand je vois ça, la course de baril. Est-ce que c'est dur de faire tourner le cheval le plus rapidement possible? Justement, ça doit prendre de la pratique, j'imagine. Bien, ça prend de la pratique, mais ça prend un athlète en dessous de nous. Là. C'est vraiment à la base, c'est le cheval qui fait
la plus grosse partie de l'effort. Là. Nous, on est là pour les guider, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, nos athlètes, maintenant, il y a beaucoup de bridage, dans le fond, qui fait que sont naturels. On va en avoir beaucoup qui courent, mais aussi, c'est, souvent, ils sont athlétiques. Fait que c'est facile pour eux de tourner, d'être conduit quick autour des barils. Là. C'est ça qu'on cherche dans nos bridages maintenant. Avant, c'était beaucoup des galopeurs. Maintenant, on a encore des galopeurs, mais on en a aussi des tourneux. Là. Fait que ça, ça l'aide. Il faut que ça soit tout combiné, par exemple. Puis ça représente quoi comme entraînement? Beaucoup d'heures ou... Des heures de trail dans le club des cavaliers. Ouais. Oui, moi, dans le fond, je suis arrivée ici grâce à M. Poulain qui avait trouvé ma ferme. Puis j'étais une fille de ville avant. Là. J'étais pas là-dedans du tout. Puis j'avais vu justement M. Poulain dans un petit gymkhana, là, puis ça avait bien cliqué avec ce monsieur-là, il est super gentil. Okay. Puis il m'avait dit « Viens voir chez nous, tu sais, comment c'est. » Fait que là, j'avais commencé à aimer les chevaux, j'avais été chez eux, puis il m'avait plugué une ferme ici. Puis après ça, quand j'ai découvert les trails, c'est merveilleux. Nous autres, dans le fond, moi, mes chevaux, une fois qu'ils ont la base puis qu'ils veulent faire des barils, je fais pas toujours des barils à la maison, là. Fait que je fais de la trail en masse, c'est là que je peux les ouvrir, c'est là qu'ils vont aller chercher leur cardio, leur musculature. Puis ne serait-ce aussi dans leur tête changer d'élément, parce que si je faisais toujours des barils avec, ils se lasseraient, puis à un moment donné, ce serait plus le fun pour eux autres. Fait que la trail, c'est merveilleux, autant été, hiver, là. J'adore ça quand il gratte, là. Je dois être une des premières à y aller le matin. On continue. Ben ça, c'est notre monsieur taureau, c'est ça? Oui, moi, je suis le conjoint à Jenny. Oui. Puis moi, j'ai monté les taureaux pendant 20 ans. J'ai compétitionné en Ontario, au Québec. Aussi, ben j'ai arrêté les compétitions. Maintenant, je travaille au rodéo. OK. Ouais, je suis, il appelle ça directeur d'aréna. Dans le fond, c'est comme gérant de la structure, là, du bon déroulement. Taureau, ben en tout cas, premièrement, la bête est assez, excusez l'expression, faut que ça sorte, là. Faut que ça sorte, t'as l'air pas quelqu'un sur le dessus, mais j'imagine ce qui est le pire, c'est la chute, hein, parce qu'il faut faire attention quand on tombe. Oui, mais ça l'a beaucoup changé. Les animaux, c'est comme dans toutes les disciplines de rodéo, dans le fond, les taureaux, c'est des athlètes. Okay. Ils se laissent monter dans l'enclos, dans la chute, là, on peut embarquer dessus, c'est rare que ça va bouger. Puis ils attendent juste que la porte rouvre pour faire ce qu'ils aiment faire. Ouais, ils envoient le cowboy à terre le plus vite possible. Okay. Tu dis que tu as réussi quand même à pas avoir trop, mais j'imagine que tu as eu des blessures dans ta carrière aussi. Oui, j'ai eu plusieurs fractures, des commotions. Mais tu sais, je me trouve chanceux parce qu'en gros, j'ai mieux performé que je me suis fait mal. Okay. J'ai plus gagné que perdu. Parce que veut pas, c'est pas juste de tenir 8 secondes, c'est de le faire avec style et élégance aussi. Là. Ben, il y a des juges qui mettent un pointage. Plus que l'animal est bon, plus qu'il y a de points. Plus que le compétiteur est bon, plus qu'il y a de points. Puis, tu sais, c'est pas vraiment... C'est une compétition entre cowboys, mais en vrai, c'est une compétition contre le taureau. Puis c'est les juges qui décident qui gagne. Mais, tu sais, mon but premier, moi, c'est de monter mon taureau, c'est pas de battre l'autre gars. Mais il reste que il doit quand même y avoir une adrénaline importante là, dans ces 8 secondes-là, là, parce que c'est intense. Là. Oui, ben moi, je suis un gars très calme, puis souvent, t'sais, on va dire shaker, là, être stressé, là, je l'étais après. Okay. T'sais, après avoir monté, là, les fois, là, je shake un peu. Okay. Mais avant, je suis un gars bien, bien calme, je ris avec les gars, puis je pense pas à ça. Okay. Mettons, mon subconscient faisait la job. Puis là, présentement, ton rôle dans les rodéos, c'est que tu suis chacun des rodéos? Comment ça fonctionne? Oui, pour l'équipe de rodéo du Québec comme régent, je travaille pour le même. Puis moi, dans le fond, là, je suis là du début à la fin du rodéo, dans toutes les disciplines. Je m'assure du bon fonctionnement du rodéo. Tu t'occupes de la logistique, dans le fond, là, de ouais. Okay. Puis c'est un après-carrière, on pourrait dire. Ça va-tu tenter de retourner au rodéo un jour, de l'essayer? Ouais. Bien, il y a deux semaines, j'ai réessayé. OK. Juste pour le fun. Moi, oui. Oui, puis tu sais, ça a bien été, mais ça m'a pas redonné le goût, là, tu sais, je suis rendu trop vieux, tu sais, j'ai pas l'air vieux, mais je suis rendu trop vieux pour faire ça. Non, faut le savoir, quand faut quitter dans la gloire, hein, comme on dit. Oui. Ouais, ben bonne chance pour la deuxième carrière. Bon, derby d'attelage, puis on fait aussi du gymkhana, j'imagine? Oui, oui, c'est en plein ça. Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, puis je suivais mon père. À ce moment-là, j'ai fait du gymkhana jusqu'à l'âge de 20 ans. À partir de 20 ans, on a commencé à suivre les rodéos. Mais c'était, il y a des classes de gymkhana à l'équipe de rodéo du Québec. Là. Puis j'ai fait beaucoup de tours de ring. Là. Tantôt, vous parliez de ça. Là, j'ai fait ça pendant près de 20 ans.
Puis là, j'ai comme arrêté ça à un moment donné. Puis là, je suis tombée avec des poulains. Puis là, on porte des poulains. Puis ça va pas tout le temps bien quand on porte des poulains, là. Puis là, j'ai commencé à suivre les Gymkhana qui sont plus dans le comté de Portneuf, en fait. Puis dans les classes de Gymkhana, bien, il y a de la course de Barry, entre autres. Puis il y a plein d'autres parcours qu'on a à faire, une course contre la montre. Puis ça, on fait ça pendant l'été. On sort à peu près une 10-12 fois dans l'été. Puis l'hiver, après ça, c'est les derbies. Mais je me sers des mêmes chevaux. Ouais, c'est ça, j'ai... Les mêmes chevaux font exactement... ils font des barils l'été, de l'attelage l'hiver. Dans votre... j'ai oublié d'en parler tantôt. Dans votre catégorie, les chevaux, ils peuvent être là combien de temps? On peut les garder 5, 6, 7 ans ou ça peut faire plus que ça? Je sais pas. Un cheval là, qui est bien en forme, puis qui est sain, là, puis que c'est sûr que c'est des athlètes. Fait qu'on les garde dans Watt, ces chevaux-là. Ils sont bien alimentés, sont dans des écuries chauffées. Fait que rendu là, un cheval jusqu'à l'âge de 20-22 ans, lui, le sien, il a performé très longtemps, là, il vous le dira, là. Mais jusqu'à l'âge de 20-22 ans, un cheval est capable de performer en compétition. Mettons qu'à son pic, là, c'est entre 8 et 13 ans. Après ça, il peut commencer à baisser un peu, mais il peut avoir des champions encore jusqu'à 14 ans, là. Tu le disais tantôt, habituer un poulain, c'est pas évident, là. C'est ça. Les poulains, eux, ils commencent à sortir à 4 ans au Québec. Tu sais, ils sont gros, ils ont l'air d'un cheval adulte pour... la plupart des gens ne connaissent pas ça, mais nous autres, on le sait là, par leur non-verbal là, que c'est des poulains puis ils ne connaissent rien. Puis, mais c'est un autre challenge, c'est autre chose, partir des poulains. C'est très décourageant, tu sais. on ne gagne pas souvent là, avec un poulain, là. Mais c'est un beau challenge, puis on est toujours, tu sais, ils n'ont pas d'histoire, fait qu'ils sont pleins d'espoir, tu sais. Ça peut prendre 2-3 ans avant qu'ils soient au pic, j'imagine? Pardon? Ça peut prendre 2-3 ans avant qu'ils soient comme il faut? Bien, il peut être très bon à 4 ans. Il peut gagner des concours à 4 ans. Mais il faut faire attention parce que, étant donné que c'est comme des athlètes qui vont aux Olympiques, si on fait toujours la même chose, le même travail, à un moment donné, ça devient un travail, c'est redondant pour le cheval. Il faut faire super attention à leur mental, leur santé mentale. Ça a l'air de rien, mais quand tu amènes un cheval à faire de la compétition, il faut que tu travailles ça aussi. Il n'y a pas juste, d'aller gagner des prix, là, tu sais. Aller faire des sentiers, aller faire faire de la traîne. C'est ça que Jenny expliquait tantôt. Bon, on fait un peu de travail en manège à la maison. Une petite récompense, OK, on va faire du cardio, on va changer nos entraînements. Fait que c'est ça qui fait que moi, dans les deux cas, tu sais, moi, mes chevaux, je me dis au prix que ça coûte, il faut que ça performe à l'année. Là. Fait que, ouais. Pour ça, M. Murray, il y en a fait longtemps. Parquet, excusez. Vous en avez fait longtemps, je pense, du rodéo. Non, moi, c'est plutôt du Gymkhana aussi. Là. Ça fait plusieurs années que j'ai accroché mes patins là-dessus. Là. Je fais encore de la randonnée un peu, là, mais point de vue Gymkhana, pas mal, tout a été dit parce que je faisais du barry et du slalom aussi. Là. Mais pas mal, tout a été dit là-dessus, mais une chose que je remarque beaucoup aujourd'hui par rapport à dans le temps qu'on en faisait, moi, mon cheval que j'avais acheté comme... j'ai un blond, là. J'ai un blond de son nom. Mais comme l'anneau disait, mon cheval, il y a à peu près 30-35 ans, quand j'avais acheté, j'avais payé 8 000 dans le temps. Fait que 8 000 piastres dans le temps, il y a 35 ans, c'était beaucoup. Hein. Fait que fallait être sûr de notre coût. Mais par contre... Non, mais je ne suis pas trompé parce que ma conjointe, elle comptait toutes les bourses qu'on gagnait. Puis on a gagné au-dessus de 100 000 avec lui, juste un cours de barry, puis du slalom, puis tout ça. Là, okay. Puis ça, c'est tout sur papier. Mais aujourd'hui, recommencer avec le même cheval, c'est certain que je ne ferais pas ça parce qu'aujourd'hui, comme eux autres, ils disaient, les chevaux sont beaucoup plus performants, tu as des bons bridages. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que un peu comme Pat, il fait, il donne des cours. Le monde suit beaucoup des cours, suit des cliniques. Ils vont en Ontario, ils vont aux États, suivre des cliniques, suivre ça sur Internet. Fait que c'est plus c'est plus les mêmes temps que dans le temps que j'en faisais. Là. Ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Aujourd'hui, là, tu tires un petit peu trop fort, t'es plus là. Cheval, il fait une petite culbute, il est plus là. Ça se compte au millième de seconde à ça. Des fois, entre le premier et le deuxième, puis avoir quelques millièmes de seconde, puis tu viens de perdre 300-400$, puis t'es aussi précis que ça. À ça autant les chevaux, les montures, les cavaliers, à ça, c'est. Faut que tout soit au poil. C'est un peu comme un conducteur de F1. S'il fait la moindre erreur, t'es dans le champ, t'es plus là. Merci, bonsoir. T'en retournes chez vous, bredouille. Là, vous ouvrez quelques questions, par exemple. Le coût d'un cheval, quand on veut partir à zéro, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire si ça peut coûter combien?
Dans les barils ou pour. Ben, dans les barils, c'est sûr que quand tu les achètes poulains, tu sais, mettons, moi, je m'étais acheté un 2 ans, j'avais payé un bon petit bridage, 2 000. Fait que c'est quand même pas si pire. Par contre, avant que je l'amène au show, je vais prendre une année à l'emmener dans plein de petits shows pour faire des petites exhibitions. Fait qu'il va me coûter de l'argent pareil. Puis après ça, on va l'emmener pour faire des goûts dans des futurités. Les futurités, c'est leur première année de vraie compétition. Fait que si ça va bien, c'est le fun. Mais sinon, ça coûte cher là, quand même, on le sait tout. Puis dans les barils, les bridages sont vraiment, vraiment dispendieux. Là. Okay. T'sais, on regardait pour s'acheter un autre cheval de rodéo, pour moi, dans le fond, des barils. Puis, tu sais, je fais le tour, mais je suis une fille de rodéo et non de gymkhana. Fait que les rodéos, c'est vraiment rendu dispendieux. Dans le fond, il faut que tu aies un budget de 20 à 40 000, puis tu n'es même pas sûr de gagner. Pis c'est juste pour un cheval. Okay. Fait que tu sais, on en achète des moins chers qui sont plus jeunes, puis on essaie de mettre du temps, puis on achète un peu de l'espoir là, quand on les achète poulains. C'est ça, c'est un guess, là, vraiment. Là. Mais c'est, tu sais, je me dis, dépenser ça là-dedans ou aller faire du bateau tout l'été. On va le faire, là. On a une famille de ça. Nos enfants font ça. Ses parents font ça. Fait que, tu sais, on est tout le monde ensemble pareil. Mais c'est cher. Puis, c'est pas juste de l'acheter, le cheval. Ça, c'est un. Mais après ça, c'est de le faire ferrer. C'est de le faire vêter. C'est de donner de la moulée pour que ça soit performant. Des vitamines pour que ça marche. D'aller prendre des cours, des cliniques. Il coûte en moyenne, un cheval coûte en moyenne entre 2 500 à 3 000 par année. Alors, si tu l'achètes poulain, mettons, à 2 ans, entre 2 et 5 000 Là, il n'est pas dompté. Là. Généralement, il n'est pas dompté. Fait que là, il faut que tu le domptes. Puis là, tu le gardes un an. Fait que là, il est rendu. T'as coûté 5 000 le cheval. Bien, c'est certain, parce que tu veux en faire un athlète. Là. Puis là, après ça, la deuxième année que tu l'as, bien, il te coûte un autre 3 000. Puis là, là-dessus, bien, tu veux peut-être l'envoyer à l'entraînement, tu veux suivre des cours, tu veux te perfectionner. Fait que le cheval, là, au bout de la ligne, là, il a juste 4 ans, puis il t'a coûté 10 000. Encore, là. C'est ça. Fait que là, si t'en fais un champion, c'est parfait, le prix va monter, mais s'il fait. Il est pas si bon que ça. S'il est champion, tu veux plus le vendre. Justement. Mais. 2 000, 2 500, souvent, c'est juste la semence, c'est pas le poulain fait, là. T'as la jument, là. C'est juste la semence de l'étalon pour mettre dans ta jument. Fait que c'est un grand, grand, grand rêve. Tu vas mettre une semence dans une jument. Mettons une bonne jument, tu mets une semence d'un bon étalon, le poulain vient, tombe à terre, là, il vient au monde, il vaut 7-8 000 en partant. Là, c'est comme ça aujourd'hui, là, pour avoir juste le bon pedigree. Là, tu ne sais pas s'il y a une patte croche, là, le poulain il est dans le vent de la mer, tu le vends là, à 7-8 000. Puis, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on connaît le père, on connaît la mère, puis il devrait être bon. Je pense qu'il faut être passionné. Hein, puis le monde à chevaux, c'est tous des passionnés. Ils mettent des efforts. La famille met des efforts parce que, justement, on passe tellement de temps dans les chevaux. Des efforts puis de l'argent, là. Tu sais, faudra pas compter tout l'argent qu'on a mis là-dessus. Là, parce que... Mais c'est ça. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Puis, Au-delà de la passion, c'est un mode de vie. Ouais. Parce que quand on travaille, c'est pour amener de l'argent pour la fermette, pour les chevaux. Tu sais, moi, là, je me dis, si je compare ma vie avec le commun des mortels, là, quand je leur dis l'âge que j'ai puis que je suis jamais allée dans le sud, là, on me regarde comme ça. Non, mais c'est parce que moi, je ne vais pas faire un tour chez l'esthétienne, je ne vais pas trop chez la coiffeuse, puis, mais mes chevaux mangent du caviar à tous les jours, par contre. Ce qui arrive aussi, c'est un gros moteur économique aussi pour le Québec, parce que vous pensez seulement qu'aux producteurs de foin, producteurs de moulets, tout ce qui gravite autour des chevaux, forgerons, vétérinaires, après ça, tous les gros festivals comme Saint-Tite, Sainte-Catherine aussi, Sainte-Catherine, oui. Fait que c'est des gros moteurs économiques qui roulent autour de ça, du monde des caisses pour les chevaux, là. Bien, c'est ça que j'allais dire, l'équipement que ça prend. Là, quand on part au rodéo là, ou au gymkhana, peu importe, là, on part pas pour une journée, là, on part pour entre 2 et 3 jours. Fait que là, ça prend une place pour dormir. Fait que là, ça te prend ton trailer à cheval qui a une partie habitable pour toi, une partie pour les chevaux. Ça prend un camion pour traîner ça, là. Tu te promènes pas avec ta... Tu vas pas loin, là. Non, 100 piastres de fioul. T'es rendu, mais il faut que tu reviennes, tu sais. Si t'as pas collecté, tu restes là-bas. C'est ça. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on voit vraiment tout ce qu'il y a en arrière. Tu sais, nous, ce qu'on voit comme spectateur au festival, c'est juste la prestation, mais tout ce qu'il y a en arrière, tout l'entraînement, tout l'argent, il y a beaucoup de choses. Je veux revenir à Patrick, par exemple. Patrick, toi, ça te prend des chevaux de bonne qualité aussi pour entraîner tout ce monde-là, là.
Oui, c'est ça. Ça prend des chevaux de bonne qualité, puis ça n'en prend pas juste un. Là, on a 6-7 chevaux ici, puis chaque cheval a sa discipline. Là, fait que c'est de nourrir ça. Là, c'est moi, quand je compte mes affaires, là, moi, aller au radio une fin de semaine, là, ça me coûte 1000$ avec le gaz puis les inscriptions tout le temps. Parce que puis c'est vrai qu'on est passionné parce que le vendredi soir, on peut être au lac Saint-Jean, puis le samedi matin, on est rendu au Nouveau-Brunswick. Oui, là. Oui, j'ai vu ça. On a roulé toute la nuit pour aller au radio, puis on a changé de chauffeur, puis... Puis c'est vraiment pour aller faire une prestation. T'sais, un rodéo qui dure entre 3 heures à peu près. T'sais, après ça, on en repart puis on s'en va un autre. Là, souvent, on en fait 2-3 en fin de semaine. Fait que t'sais, ça prend un cheval pour chaque discipline. On peut pas prendre un cheval, le même cheval, faire des barils que pour faire la prise du vol-lasso ou le terrassement du bouvillon ou des tours de ring ou quoi que ce soit. T'sais, moi, ça me prend un minimum 4 chevaux pour faire toutes mes prestations. Là. Ouais, c'est ça. Puis il faut t'entraîner chaque cheval différemment. Là. C'est ça, ouais. Pour chacune des épreuves. Oui, chaque épreuve demande un temps spécial pour chaque cheval. Puis même nous autres, autant dans la course de Barry que dans les épreuves de roping, là, les chevaux sont rendus chers. Puis ça prend des bons chevaux, là. Fait que... Soit bon ici en entraînement pour que le cavalier soit bon aussi dans sa vraie prestation. Ah oh, ouais, c'est certain. Je reviens au Gymkhana. Est-ce que vous autres aussi, vous en faites 2 ou 3 par fin de semaine? Ou... Ouais. Nous autres, cette année, moins, là, parce que Jean-Marc, il s'est seté les pieds, dans le fond, avec les rodéos. Mais avant, comme les autres années, on en faisait 2 puis 3 par fin de semaine. Ça arrivait souvent qu'on dormait sa banquette en arrière, mais ma petite fille a dormi souvent dans le truck, puis on a 2 autres enfants, c'était la même affaire, là. Fait que souvent, on partait après un rodéo, on s'en allait à un deuxième, puis même des fois, si lui, il venait pas au deuxième, ben il restait au premier. J'embarquais toutes mes affaires dans un autre trailer, puis on repartait. Souvent, on est une gang de filles, nous autres, là, qui suit. Ouais. Fait qu'on repartait pour faire un autre rodéo, puis on essayait de se trouver des livres pour revenir à la maison. Fait qu'on en faisait plusieurs, là. On a eu des bonnes saisons, là, que... On courait dans le fond, comme Patrick, là, le Québec, l'Ontario, puis pas l'année passée, mais il y a une couple d'années qu'on allait aussi aux États. Là, les mercredis, on allait passer les douanes pour aller faire des rodéos puis revenir. Là. Monsieur Murray, peut-être, j'aurais le goût de vous poser comme question. Vous les voyez tous les cavaliers toute la fin de semaine. C'est quoi votre contact avec eux autres? Est-ce que vous leur parlez un peu? Parce que vous en voyez beaucoup. Ben, c'est une grande famille. Hein? On se connaît tous. Moi, je suis rendu des plus vieux, c'est bête à dire, mais on se connaît tous. On est content de se voir le vendredi. Puis ça s'entraide. Hein? C'est drôle de voir. Tu fais un plat sur le bord du chemin, il y a 4 trailers qui vont arrêter. Là, c'est sûr. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Vous en voyez souvent aussi qui viennent, exemple, juste faire le vendredi soir, viennent faire leur temps, puis après ça, ils s'en vont dans une autre prestation. Oui, habituellement, moi, travailler que je travaille pour l'équipe de rodéo, je suis tout le temps à le même endroit. Oui. Fait qu'habituellement, un rodéo, c'est 3 performances, vendredi, samedi et dimanche. Les cavaliers qui raident le vendredi, c'est pas le même que le samedi, c'est pas le même que le dimanche. Fait que il y a une gang qui vient le vendredi, puis là, ils partent pour un autre rodéo. Ce qui est comique d'avoir, à cette heure, c'était pas de même quand j'ai commencé. Là. Ouais. Tout le monde a le cellulaire dans les mains. Ben oui. La classe n'est pas finie. Style d'une classe de roping. Le monde est dans le ring. Ils ont tout le téléphone dans les mains pour dire à celui qui a passé le vendredi, t'es rendu 2e, t'es rendu 3e. c'est vraiment... c'est ça. C'est comme Jean-Marc disait, chacun... ils compétitionnent contre la bête, et non contre... tout le monde est content que l'autre classe. Là, c'est drôle de voir ça dans les rodéos.